Yo, t'es bien sur la page de la grande vie. Bon, aujourd'hui je suis à mon futur terrain, Verbien. Ouais, on va continuer d'élaguer un peu tout ça. C'est qu'il fait chaud aujourd'hui encore, plus de 30 degrés. Je vais en chier, c'est pas grave. Bon bah je vais vous montrer un peu ça. Du coup ça risque pas d'être une vidéo super intéressante. Mais on va tout vous montrer, hein, comme d'habitude. Du coup, au moins vous verrez la galère que c'est un peu de déblayer. C'est chiant à faire, couper des arbres, mais bon, faut bien le faire. Voilà, on en replantera d'autres après. Allez, tout de suite. Bon alors, la dernière fois, j'ai fait ici. Donc j'ai trouvé ce que c'était cet arbre là. Je vais essayer de zoomer. Ah, normalement c'est un saule et du coup bah il y en a 2-3 sur le terrain. Donc là c'est tout ce que j'ai fait la dernière fois. Et comme je vous ai montré la dernière fois ici, j'avais fait un petit chemin qui part là-bas. Et du coup bah là je vais creuser tout par là, en fait jusqu'au chemin qui sépare ma parcelle en deux, et jusqu'à 10 mètres avant le chemin en fait, pour bien cacher quand même. Tous les plus gros arbres comme ça, voilà, ceux-là je vais les laisser, sinon tout ce qui est couché et petit comme ça, les ronces et tout, ça va tout dégager. Voilà. De ce côté, je pense pas y retoucher. Je vais y laisser comme ça. Voilà. Puis voilà. Bon bah c'est parti. Enfin le temps perdu qu'on ne va
rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Ah désolé. On a qui doivent connaître la transpiration dans les yeux, ça pique. Bon, bah cette fois c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vais y aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense pas que ce soit fort intéressant, mais une belle libellule. Et qu'est-ce que je disais? C'est pas fort intéressant, mais faut le faire. Donc voilà, je vous le montre. C'est vraiment pas une partie de plaisir. C'est pour ça que je bourrine un peu et que. Voilà, parce que ça fait chier de couper autant d'arbres, autant de trucs. Mais voilà, faut bien faire sa place quand même. Voilà. Donc, pour ceux qui vont se demander, ici je laisse une grosse partie. Parce que derrière, en fait, juste derrière le terrain là. Il y a, c'est même pas un passage d'animaux, c'est une autoroute. Donc j'aimerais bien qu'il continue à passer ici, voilà, tranquillement. Du coup, je laisse. On a bien 5-10 mètres de, entre là où je veux m'installer et leur passage. Les autres passages, tout ce qu'il y a sur le terrain, bah, évidemment, ils n'y passeront plus. C'est pour ça que je vais essayer quand même de leur laisser des passages là où je vais laisser les coins de végétation naturelle. De taillis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben c'est tout. Ah oui, peut-être que vous verrez que j'ai mon pantalon qui est mouillé. Je sais pas si on voit. Je me suis pas fait pipi dessus. Voilà. Quand on travaille à plus de 30 degrés en plein soleil, et ben on sèche. Voilà. J'étais pas très gros. Pas trop séché non plus. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand, je sais pas quoi, je sais pas comment, comme d'habitude. Voilà, merci d'être passé. N'oubliez pas de réaliser vos rêves, vos projets, sortez, profitez de la vie. Souriez à la vie. Et voilà, allez, peace.